Et donc, est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Non, j'ai maudit les plans. Donc, l'union sacrée n'est pas un plan de Dieu. Et ce n'est pas un plan de Dieu. Et qu'il est vrai ou pas, le plan de Dieu doit s'imposer. Et je proclame la mort de leur plan satanique et leur plan humain. Moi, je dis maintenant, moi, en tant que l'incarnation de Simon Kimbangu, le représentant de Christ Emmanuel Dodd, si leur plan réussit, moi, je laisse la vie. Oui. Il n'est pas le choix de Dieu. Sauf qu'ils disent la vérité et qu'ils se repentissent. Ne perdons pas le temps avec tous ces bandits-là. Ce sont des bandits. Écoutez, mes frères et sœurs, d'abord, Marcelo, je voudrais vous dire ceci. Ou bien les frères et sœurs qui écoutent Marcelo. Marcelo n'a pas Dieu et il ne connaît pas le véritable Dieu. Oh non, Dieu, mais il contredit la Bible. Pourquoi l'on doit prêcher avec lui? Parce qu'il contredit les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible avaient détruit Sodome et Gomorrhe à cause de cet acte-là. Mais quand il dit non, la Bible n'est pas claire, non, c'est lui qui n'est pas clair. C'est pas la Bible qui n'est pas claire. Donc il doit abandonner l'assemblée. Marcelo, tu ne dois plus prêcher. Il faut que tu fermes ta boutique là. Mwana mama, kobuka na te yoka li solo Mama Jusnovitz, yende kote ya loposo ya nzoto na bino. Ayena bakisi, oezo trete ba tempo, banduta. Bobo kona nenge na nenge oepesa kambindo pe bo soto na kati ya nzoto na bino Loko la poche des yeux, ride na elongi. Vieissima, o profite na cash ne okoma kobo melongi. Okoma koweke la nzoto na osoni. Kobuka na te, luka kaka mama Jusnovitz, okozonga leke leke. Mouete mouete. Kou, maman n'a gagné. Babi, maman Jusnovitz, azo soigné, n'y a pas de l'opposé, en tout cas, il y a un peu de temps. Et ça, la case en 20 si la kate. Et le nien zuluka. Et comment le combat tout mène à des pommes à kala. Yaka pote vi docteur Zaka Kamoko. Coach Zaka Kamoko. Kozoé et Zana en facile. Azape na Facebook. WhatsApp, basit n'y a pas sur internet. Ce qui est le nom de la produit, livraison en moza partout dans le monde. Tobeta www.jusnovitz.com Azoce la paix intuitive. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwane lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. À la prise de vue, nous avons Couleur Basselé. La réalisation est assurée par Jordan Panzou. C'est avec cette équipe que nous allons travailler, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Il y a certains qui ont l'habitude de nous suivre le soir également. Pendant le jour, il y a ceux-là également qui nous regardent. Infiniment merci. Comme d'habitude, nous avons toujours dit clin d'œil spécial à tous nos partenaires. Donc, il y a Gianni Sita, merci à Maman Marie M5, merci au prophète et commandant chef Blanchard Kadhafi qui nous suit depuis l'Angola. Clin d'œil spécial à mon boss, le roi David Ntimbalu Zolo, monté ma maman Dina et bien d'autres, tout va en Arabie de temps à autre, enfin que Moussala et Salama. Dans de très bonnes conditions. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision afin d'avoir tout ce que nous aurons posté comme vidéo et aussi partagez-les. Faites le maximum de partages, faites des commentaires, beaucoup plus de likes et cela nous fera énormément plaisir. Encore une fois de plus, nous touchons un point très très sensible en ce qui concerne l'Église Corps de Christ et aussi la République démocratique du Congo qui est chère et notre beau pays, d'où nous avons quand même le devoir de temps à autre d'y prêter attention lorsqu'il y a quelque chose qui marche ou quelque chose qui ne marche pas. Nous devons également en débattre tout en touchant les points essentiels. Nous avons le plaisir, comme je le dis au début de cette émission, de recevoir pour la toute première fois un serviteur de Dieu. Moi, j'aime sa façon de communiquer, son courage, sa détermination. Il parle bien et il est très ouvert.
Il s'agit de l'évangéliste prophète Benjamin. Déjà que vous tous connaissez, mais aujourd'hui c'est vraiment une mention spéciale parce qu'aujourd'hui on va vraiment épingler beaucoup, beaucoup plus de points. Parce que quand on touche à notre Seigneur Jésus-Christ, il y a de ceux-là qui se lèvent et qui disent non et on ne peut pas abuser, surtout ne pas toucher à notre Seigneur. Pour la toute première fois, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous le recevons. Bonjour et bienvenue, homme de Dieu. Ah oui, prophétiquement par là, la santé va bien. Mm-hmm. Bien que physiquement par là, ça ne va pas. Je venais d'être agressé à l'Assemblée nationale les 30 du 11e mois par les agents de sécurité de Madame Janine Mabunda dans son bureau. Oui, bon, Dieu fait grâce. C'est un travail que nous avons. En tant que prophète, nous subissons aussi certaines situations pareilles, comme mon incarnation que j'incarne, celui que j'incarne, Simon Kimbangu, et d'autres prophètes ont subi certaines choses comme ça. Mais cela n'a jamais découragé l'œuvre de Dieu que nous faisons, parce que nous sommes dans la phase finale. Le plan spirituel existe, mais il y a aussi l'accomplissement physique. Lorsque un prophète accomplisseur comme moi, il y a des situations où je dois arriver sur le terrain. C'est-à-dire ma personne physique doit arriver sur le terrain. Je tiens à dire à beaucoup de mes frères et sœurs qui m'ont appelé, non, prophète, sois prudent, il ne faut pas aller ailleurs, quoi que ce soit. Je leur dis non, soyez en calme. Hein. C'est ma mission qui m'a été confiée en tant que le prophète accomplisseur de toutes les prophéties de Simon Kimbangu au Congo. Donc je suis obligé d'arriver dans certains endroits physiquement. Et tout ce qui peut arriver, on assume. C'est un acteur que je suis. Parfois, tu peux avoir des blessures, mais les blessés de l'acteur ne dirent jamais. L'acteur ne meurt jamais. Donc, prophétiquement parlant, ça va bien. Mais physiquement, il y a encore quelque chose, mais ça va aller. Et tout ira bien. Nous sommes dans les temps. Le temps est là pour nous. C'est les mois du temps. Merci beaucoup, homme de Dieu Benjamin. Ça craint quand même. Vous savez pourquoi est-ce que ça craint? Parce que autrefois, vous étiez plus dans le parler, vous étiez plus dans des conférences, vous étiez plus dans des émissions, dénonçant, en fait, faisant face au sénateur Joseph Kabila actuellement, qui fut le président de la République démocratique du Congo. Alors, vous l'avez fait face, vous avez crié tout haut, mais aujourd'hui, vous changez votre lutte. En fait, c'est comme si aujourd'hui, au lieu de vous voir dans des conférences, vous descendez maintenant sur le terrain. Oubliant que sur le terrain, il y a deux cases, il y a deux morts, il y a deux bavures, et vous ne craignez pas tout ça? Oui, en fait, c'est, cette dimension-là, prophétique, politique, que je suis, que je reçois de la part de Christ, le Seigneur Emmanuel, sous le pouvoir qu'il avait confié à Kimbangu, c'est cette dimension-là qui manque à beaucoup de chrétiens. Surtout les chrétiens congolais, les chrétiens congolais que nous sommes, nous beaucoup oublient qu'il y a deux dimensions dans la vie de l'homme. La dimension spirituelle prophétique, ça se passe par la prière et tout, mais il y a la dimension physique. Pour l'accomplissement de toutes œuvres prophétiques, doit prendre corps à l'homme. Là, il faut que l'homme amène son corps. Ça veut dire que le combat physique est aussi permis dans la Bible. Okay. Je prends l'exemple de Moïse. Moïse est monté. Il est allé à la montagne, il a prié pendant 40 jours. Il était à la rencontre avec Dieu, le Père. Mais après avoir monté, après avoir tout reçu ce qu'il a reçu, l'Éternel a ordonné de faire quoi? D'aller maintenant vers Pharaon. Et quand il est allé vers Pharaon, il est allé maintenant voir Pharaon physiquement. Donc c'était une dimension physique. Et donc pour que les prophéties, les promesses s'accomplissent, parce que Moïse c'était aussi prophète d'accomplisseur, parce qu'il est venu accomplir ce qui a été prophétisé par Abraham. Pour les enfants d'Israël, Joseph, Abraham, pour faire quitter les enfants d'Israël dans les Canaan. Alors, moi, étant que prophète accomplisseur, ça veut dire l'incarnation de Kimbangu, j'ai reçu aussi la même mission. Je fais une année à Kisangani pour la mission prophétique, ça veut dire rencontrer avec toute la dimension divine, connaître ce qui est le Congo, le véritable Congo, dans toute sa grandeur. Dans toute sa hauteur dimensionnelle, largeur, tout, j'ai réussi. Après Matadi, Mbanzangungu, Kinshasa, où j'ai rencontré le Christ et le Seigneur Emmanuel,
Je suis allé en mission à Kisangani pendant plus d'une année, sans les téléphones, quoi que ce soit. Mais au retour, quand je suis rentré, il fallait que j'applique les deux dimensions. Ça veut dire la dimension des communications. Que j'ai passé les conférences, il fallait révéler les choses cachées. Parce que Kimbangu, c'est celui qui révèle les choses cachées. Et Benjamin Kawanga, c'est celui qui vient révéler ce que Kimbangu avait prophétisé. Et donc, il a fallu révéler, vous avez parlé de Kabila, il a fallu, je suis le seul et le premier et le véritable qui a révélé de manière précise, exacte, la dimension prophétique de chiffre 4 qu'avait prophétisé Kimbangu, que Kabila voudrait s'accaparer, qu'il y ait un des quatrième président. Et non, il fallait le prophète Benjamin Kawanga dire non, mais c'est pas toi. Tu es que le troisième président, tu as fait la continuité de l'œuvre de ton père. Et tu diriges la Troisième République. Ça, c'est depuis 2017, je suis dans ça et je fais taire tous ces débats-là. Parce que je suis venu trancher en révélant la vérité. Alors, Kabila, on l'a eu. Il fallait le dire, la vérité. Que monsieur, tu es pharaon, tu portes l'esprit de pharaon. Eh bien, il y a un Moïse qui est là. Et donc, il fallait le dire d'abord ça. Mais après avoir le dit, il fallait descendre sur le terrain. C'est comme ça que je suis dans les mouvements citoyens. Avec les autres, il fallait maintenant aller sur le terrain. Parce que quand on entre sur le terrain, et ma dimension prophétique que j'ai, c'est une guerre, c'est un combat. Il y a les esprits, il y a tout. Parce que ce pays a été lié à un grand niveau spirituel et prophétique. Alors maintenant, pour délivrer, il faut descendre sur le terrain. Pour votre information, je fais le travail que les gens n'ont jamais entendu. Je peux vous le révéler, mon frère Alain, ou révéler au peuple de Dieu qui nous suivent. Depuis Kisangani, j'ai fait plus d'une année, j'ai circulé toute la ville de Kisangani, dans tous les coins, dans tous les ronds-points. Pendant plus d'une année, je ne parlais pas au téléphone à ce temps. Je revenais à Kinshasa en 2017, je fais la même chose dans toute cette ville de Kinshasa. De Maluku jusqu'au Pompage, tous les grands ronds-points, j'y arrivais. Même chez vous ici, dans un magasin. Ici. Et dans tous ces ronds-points, il y a eu des travaux très prophétique que nous étions en train de faire sous l'autorité de Christ Emmanuel qui m'a donné ce pouvoir. Tel qu'à Kisangani, j'ai accédé à la cité Wagenya, la cité mystique, là où le pouvoir Okiti avait pris l'otage de ce pays. C'est la cité Wagenya. Et donc, après cela, il fallait maintenant amener le peuple de Dieu, conduire les frères et sœurs dans cette phase finale qui consiste à ce que nous puissions libérer le Congo. C'est comme ça que nous sommes entrés à cette phase. Dans les manifestations, je suis dans les mouvements citoyens. Il fallait aller à l'ambassade du Rwanda. J'ai été arrêté, tout consort. Et la dernière fois, le 30, il fallait aller au Parlement, précisément au bureau des présidents de l'Assemblée nationale. Je dis à mon ami, même mes amis, tous qui sont là, les frères Willy Louis et les autres, bien avant, je les savais que Mangou ne va partir. Mais pour qu'elle parte, il fallait que Benjamin Kawanga arrive pour déclencher la situation. C'est comme ça que je suis arrivé. J'arrivais, bon, eh bien, j'ai subi ce que j'ai subi. Mais la victoire, elle est la nôtre, elle est certaine, précise, exacte. Merci beaucoup, prophète Benjamin Kawanga. En fait, on va revenir sur ces sujets, mais on va ouvrir une petite parenthèse. J'ouvre juste cette brèche et puis je vais la fermer tout de suite, là. Je ne traîne pas. Okay. On va suivre ces images. Et question de voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Il y a un serviteur de Dieu également, en pleine prédication, qui touche aux Congolais et qui dit, les Congolais, aucun Congolais, ne verra le royaume de Dieu, n'entrera dans le ciel. C'est-à-dire que pour les Congolais, tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, en parlant des Congolais, vous faites partie aussi des Congolais. C'est pour dire que les Congolais sont au Kendelo la T. N'a prophète Benjamin Kawanga au Koko Tapelo la T. Suivons d'abord, nous allons prendre votre réaction. Merci. Bon, laissez-moi laisser un peu les Africains. Je vais me concentrer sur les Congolais. Les Congolais aiment dans la famille qu'il ne soit que lui qui travaille. Tout le monde vient chez lui. La belle maison, c'est lui. La belle voiture, c'est lui. Weston, c'est lui. Le français, c'est lui. La défense, c'est lui. Dès qu'il voit un petit neveu, commence aussi à se débrouiller, à atteindre les choses que lui, la haine commence à monter. Je vous assure, il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Je vais le répéter. Quelqu'un va se fâcher, mais je m'en fous. Je suis moi-même Congolais. Aucun Congolais, que tu sois de Brazza,
que tu sois de Kinshasa, tu n'entreras pas. Parce qu'avec notre comportement, si on va au ciel, on va même litiger Michael, on va faire la guerre à Gabriel. Voilà pourquoi il y a un pasteur aux États-Unis. Il a son église dans une contrée quelque part. Il est aussi congolais. Il a son église, il y a des blancs, il y a d'autres nationalités. Il dit, il est bien. Mais dès qu'il a vu les Congolais commencer à venir, 1, 2, 3, 4, le gars commence à être inquiet. Il a dit à son frère, les Congolais, qu'est-ce qu'ils viennent chez Jésus? Ils vont seulement me gaspiller l'église. Et les Congolais sont des envahisseurs. Quand ils arrivent dans une église, ils vont vous imposer leur langue. Quand ils sortent de l'église, ils ne parlent qu'en lingala. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le clanisme. On est une église chrétienne, multinationalité. On est en France, on parle français. Les Congolais, donnez-moi. Le Congolais, quand il vient dans une église, c'est seulement pour dire donnez-moi. Si vous ne lui donnez pas, il est capable de quitter l'église parce que vous ne lui avez pas donné. Ça, c'est le Congolais. Quand vous dites qu'il faut payer la salle, il est fâché. Quand vous dites qu'il faut cotiser, il est fâché. Mais quand il a un problème, si vous ne cotisez pas, les frères n'ont pas l'amour. Les frères n'ont pas l'amour. C'est les Aman. Unique. Il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Jésus. Je vais le répéter. Je vous assure. Il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. C'est se moquer du peuple congolais ça. Je vous assure. Vous avez donné le verset. Je vous assure. Quitte là. Tout finayo. Tu n'as pas dit. Jugement ma casse des ensembles. Il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. Jésus. Je vais le répéter. Je vous assure. Il n'y a aucun Congolais qui n'entrera au ciel. C'est se moquer du peuple congolais ça. Je vous assure. Vous avez donné le verset. Je vous assure. Quitte là. Tout finayo. Tu n'as pas dit. Jugement ma casse des ensembles. Voilà, merci. Nous sommes de retour sur ce plateau. Homme de Dieu, nous avons suivi ensemble votre réaction. Oui, en fait, moi, ma réaction, c'est une réaction en deux. Quelque part de joie et de détresse. De joie, pourquoi? Parce que, en fait, c'est le monsieur, bien qu'il ne connaît pas beaucoup de ce qu'il me parlait, mais moi, je peux dire, quelque part, il a raison. Sur le plan prophétique, il a raison. Je sais que lui n'a pas ce niveau-là que moi je comprends des choses. Quand il dit aucun Congolais n'entrera au ciel, je lui dis sur le plan prophétique qu'il a raison. Pourquoi il a raison? Parce que pour entrer au ciel, on n'entrera pas au ciel en tant que Congolais. On entre au ciel en tant que chrétien affranchi. Ça veut dire un chrétien délivré. Ça veut dire que tu étais Congolais. Tu es passé par les Congolais en devenant chrétien. Ça veut dire que tu as crié véritablement à Christ. Et pas n'importe quel Christ. Tu n'as pas crié comme oh Jésus comme. Il faut croire à la belle confession de foi qui a été amenée par le Christ par sa seconde venue. Ça veut dire Emmanuel Doute. Tu crois à la belle confession de foi, tu deviens chrétien. Tu passes par la délivrance. Pas n'importe quelle délivrance. La délivrance de gérer les êtres. La délivrance est totale et parfaite. Là, tu deviens affranchi. En étant maintenant affranchi, ça veut dire la délivrance, c'est quoi? Beaucoup de gens n'ont jamais compris. Beaucoup de gens disaient quoi? On va monter au ciel. Hein? Alors, on ne savait pas comment il faut monter.
pour aller au ciel, il faut être délivré, devenir affranchi. C'est l'affranchi qui peut aller au ciel. C'est les chrétiens qui peut aller au ciel. Et pas congolais. Ça, c'est clair. Cette dimension-là, même lui qui parlait ne connaissait même pas. Il ne connaît même pas. Il parlait seulement, mais il ne connaissait même pas. Ça veut dire quoi? Je vous donne les grands problèmes de Jésus, le Seigneur. Voici cette révélation. Jésus, sur la terre, on l'appelait Jésus. Sur la terre, il est Jésus. Mais au ciel, on n'appelle pas Jésus. Ça veut dire que Jésus, c'était un nom qui lui a été attribué sur la terre. Mais au ciel, on appelle quoi? On appelle qui? Le Seigneur. Donc, il a un autre nom. Oui. Ok. Alors, pour que les Congolais puissent aller au ciel, ils doivent avoir un autre nom. Ça veut dire être chrétien, être affranchi. Là, c'est l'affranchi qui doit aller au ciel. Et donc, si ce point-là, je sais que lui, il ne connaissait même pas ça, il peut avoir raison. Mais, en lisant sa façon de parler, il a été charnel. Maintenant, je descends sur la terre. Si on a quitté ce qu'on a m'appelé, quand je regarde les messieurs qui se disent Branham, c'est d'abord, c'est quoi là? Premièrement, Branham, c'est un faux prophète. Si on parle de l'origine, parce que dans l'origine d'identification, il y a aussi la terre, il y a aussi le pays. Branham, qui est un Américain d'origine indienne. Depuis quand l'Inde a été choisi un pays qui faisait naître les prophètes? Non. Ni les États-Unis n'ont jamais été choisis dans la liste des pays prophétiques. Non. Mais le Congo a été choisi. Sur ce point-là, le Messie n'a pas tort. Parmi les deux ou trois pays qui sont été choisis sur la terre, il y a l'Israël, il y a le Congo et il y a l'Irak. Et après l'Israël, c'est le Congo. Or, après que les Juifs aient été choisis pour la première venue, le peuple sur la terre qui a été choisi sur la terre, c'est les Congolais. Et donc, pour que quelqu'un entre au ciel véritablement, s'il faut, hein, parmi le peuple qui a eu des privilèges de connaître Christ le véritable, c'est les Congolais. Et donc, si aucun Congolais ne pourrait entrer au ciel selon le Messie, ça veut dire qu'au ciel, il n'entrera personne. Parce que c'est le Congo ou les Congolais qui ont, après la première venue, la deuxième venue, c'est le Congo. Oh, Jésus lui-même a dit quoi? La gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la première. La première, oui. Oh, la seconde venue est faite au Congo. C'est comme ça, vous voyez, au Congo, il y a l'enthousiasme, l'ambition, la soif, l'amour d'être chrétien. Et dans la Bible, il est écrit, lui-même, Matthieu avait dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. Mmh. Et cette nation dont on parle, c'est le Congo. Je peux vous le démontrer dans la Bible. Quand vous lisez Esaïe 18, le pays coupé par des fleuves, c'est le Congo. Ce monsieur ne connaît même pas que le Congo existe dans la Bible. Quand vous lisez Daniel 12, on parle du Congo. De l'emplacement du menace. Mais oui, parce que l'identification géographique, le Congo après l'Israël, le Congo est biblique. C'est un pays prophétique. Bien qu'on n'a pas stipulé le mot Congo, il a fallu que les grands rois divins, les pauvres Emmanuel et d'autres, arrivent, dont je suis son représentant. Il a fallu que Kimbangu arrive. Maintenant que Benjamin Kawanga vient vous préciser les choses, vous révéler que le Congo est dans la Bible. Esaïe 33, lisez, vous trouverez le Congo. Le pays que la navire ne traverse pas. Quand vous prenez le fleuve Congo, vous allez de Matadi. Si vous venez jusqu'à Kinshasa, Kinshasa, Équateur, Équateur, Kisangani, Kindu, Maniema, là où je suis né, Congolo jusqu'à Katanga. C'est le fleuve qui n'est pas traversable. C'est dans la Bible. Et donc le Messie ne connaît pas la grandeur, la dimension prophétique du Congo. Alors, si c'est cas-là, il n'a pas tort. Parce que, après les Juifs, il n'y a que les Congolais qui sont le peuple élu. Et surtout, élu dans quelle dimension? Dans la seconde venue. Là où Dieu lui-même avait souligné. Ça veut dire, nous sommes plus que les Juifs. Les Congolais. Donc, si la dimension du ciel, il n'y a que les Congos, ou les Congolais qui doivent entrer d'abord au ciel, premièrement les Congolais, et tout le monde doit suivre les Congolais. Donc là, le Messie n'a pas
il a totalement tort parce que c'est les Congolais qui ont été les peuples élus. Puisque aujourd'hui, je ne vous parle des affranchis ou les véritables chrétiens, c'est nous les Congolais. Les Juifs ne sont même pas les chrétiens. C'est pas ça. Les Juifs ont rejeté Jésus. Ils ne sont pas les chrétiens. Si vous regardez sur l'humanité aujourd'hui, quel est le pays le plus chrétien du monde ou de l'humanité? C'est le Congo. Oh, pour entrer au ciel, il faut être chrétien. Donc les Congolais, c'est nous qui vont entrer d'abord au ciel, le premier. Plus que les Juifs, parce que les Juifs ne sont pas les chrétiens. Deuxième dimension, il faut être affranchi. C'est au Congo qui a les affranchis. Bien que il faut qu'on soit tous, il y a les affranchis. Il y a d'autres qui sont quittés l'Europe, qui sont venus voir les grands rois divins. C'est au Congo qu'il y a les affranchis. Donc, ce monsieur, à ce cas-là, il n'aura pas raison. Il ne connaît pas les Congos. Bien qu'il s'appelle Congolais, il y a beaucoup de Congolais comme ça, qui s'appellent Congolais, mais qui ne se connaissent pas. Parce que s'il était un véritable Congolais, qui connaît les Congos, il ne peut pas être d'abord un branhamiste. Parce que Branham, c'est un faux prophète. Branham, il n'est même pas à comparer avec Kimbangu, et encore moins avec Benjamin Kawang. Mais les Congos a les grands rois divins. C'est lui qui est Kimbangu prophétisé. C'est lui que Daniel est prophétisé. Dans Daniel 12. Ésaïe 18. Le nom de l'Éternel. Chapitre 7. Et chapitre 18, verset 7. L'Emmanuel d'Ode. C'est lui que nous allons célébrer le 17, 12e mois. Et donc, c'est au Congo où la dimension. D'ailleurs, je voulais dire, c'est au Congo où le ciel est ouvert. C'est comme ça qu'on appelle Nouvelle Jérusalem. Maintenant, le ciel est ouvert au Congo. Comment vous dites que les Congolais ne peuvent pas aller au ciel? Quand Kimbangu disait Nouvelle Jérusalem, Jérusalem, ça veut dire les lieux où le ciel est ouvert. C'est ce qu'on appelle Jérusalem. Oh, l'ancienne Jérusalem est tombée. C'était en Israël. Maintenant, la Nouvelle Jérusalem est au Congo. C'est là où le ciel est descendu. Le tabernacle est descendu, le Christ est descendu. Et donc le premier à y entrer, c'est qui? C'est nous les Congolais. Donc le Messie n'a pas raison. Le prophète Benjamin Kawanga, je crois que c'est une bonne matière. Je crois que. Et on va y revenir très très prochainement, parce qu'en parlant du prophète Branham, je crois qu'il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Mais du moins, c'est une brèche. Je ferme cette parenthèse. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord pour le débat. On va y revenir. Nous allons le montrer. Effectivement. Oui. Et prophète. Nous allons, tout à l'heure, on venait de parler de la chrétienté, en fait. Je salue d'ailleurs tous ceux-là qui se donnent à fond, comme ma mère, donc maman Louise Mamba, qui quitte les États-Unis pour venir rencontrer les serviteurs de Dieu et aussi prendre le temps à se concentrer dans la prière. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on venait d'évoquer un point très important, la chrétienté au Congo, en fait. Effectivement, il y a eu beaucoup d'éloges, il y a eu beaucoup de fleurs tout autour de ça, parce que vous avez, en parlant de tout ça, et vous êtes en train de aussi de jeter des fleurs aux serviteurs de Dieu. Mais ici au Congo également, je crois qu'il y a un temps, pas plus loin que 3-4 mois ici, il y a des scandales tout autour des serviteurs de Dieu. Il y a désastre tout autour des serviteurs de Dieu. Il y a médisance, il y a désagrément, et on se dit, comment est-ce que les gens peuvent encore croire au grand Dieu, en fait, le Dieu dont vous présentez aux enfants de Dieu? Jésus-Christ Emmanuel. Il y a confusion, et les gens se disent, mais on ne sait plus suivre Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ceux qui se disent hommes de Dieu ont trébuché. Quelle est votre réaction face à tout ce vent qui vient de secouer l'église corps de Christ? Oui, mon frère, allez, de là, vous avez... totalement raison. J'aimerais dire à tous ceux qui s'inquiètent, vous n'avez pas tort de s'inquiéter. Comme nous les autres, on a eu même cette inquiétude-là. Moi, j'ai eu affaire à circuler autant d'églises et je n'ai pas trouvé la réponse. Mais, j'ai trouvé une réponse quelque part. À un endroit précis. Auprès d'un homme. Là, vous nous amenez à l'imiter. 6e mairie, avenue de la Révolution numéro 817, résidentielle, auprès de l'incarnation de Christ, véritablement l'incarnation. J'ai eu une histoire que peut-être on aura le temps de vous raconter et raconter tout le peuple de Dieu ici dans votre micro.
j'ai circulé vraiment les églises ou les assemblées. Je suis allé même dans l'église des Noirs. J'ai circulé l'église kimbanguiste, les assemblées des prophètes, entre guillemets, quoi que ce soit. Wanga, Matungulu, tous ces gens-là. Tous ces gens-là que vous appelez. En fait, moi je voudrais dire au peuple de Dieu, soyez rassurés. Cela montre que le Congo est véritablement la deuxième nation après l'Israël. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au Congo, ça s'est passé aussi à l'Israël. Il y a eu un temps où les faux prophètes ont dominé le peuple israël. Mais à ce temps-là, Dieu a suscité Élie, le prophète. Et il est venu contredire tous ces faux prophètes. C'est comme ça que Batounio, sur tous ces gens-là que vous voyez là, il y a eu d'autres qui en avaient une petite grâce, un petit don, mais malheureusement, ils n'ont pas bien veillé. S'ils avaient bien veillé, comme Jésus, le Seigneur, les avait promis, ils devaient savoir que non. Depuis le 17 décembre 1999, Christ lui-même était descendu et il a pris corps à un homme qui est notre frère. Le Seigneur Emmanuel Doudi. Et cet homme est ici précisément à Kinshasa. Voilà pourquoi je salue notre sœur, très chère sœur, votre maman. Maman Louise. Maman, Louise, la chère Louise et moi, qui a quitté. Regardez ce qui se passe. Maman Louise, que je salue en passant, elle était à le pays étranger, dans le pays étranger. Aux États-Unis. Mais elle a entendu la voix. Comme il est écrit, les fils entendront la voix du Père et ils reviendront. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le temps où le Christ Emmanuel d'autre est en train de collecter tous ces élus qui sont partout, qui reviennent à lui. Alors, c'est ce qui explique que, je voudrais revenir à votre question, savoir que tous les faux prophètes et les faux pasteurs que vous voyez, en vérité aujourd'hui, ils doivent fermer leur cabale. Ils doivent fermer. Et je l'ai dit, maintenant, il doit fermer. C'est maintenant la dernière année, le dernier mois d'ailleurs, de leur grâce. Parce que tout cela, s'ils étaient réellement clairvoyants, ils pouvaient venir se prosterner devant Emmanuel Doudi. Pourquoi? Le temps a changé. Nous ne sommes plus dans le temps des apôtres, nous sommes devenus dans le temps des prophètes. Et sous l'incarnation de Christ, c'est le chef des prophètes, ça veut dire les prophètes messagers Emmanuel Doudi. Voilà pourquoi, quand on a circulé tout partout, il y avait quelque chose qui me disait. Comme dit la Bible, hein, les prophètes qui nous ont précédés ont fait de ce temps-là l'objet de leur recherche et investigation. Voilà, sonder les temps et les circonstances auxquelles on va trouver les véritables salis. On a cherché, mon frère. C'est comme vous, vous cherchez partout. Moi, j'étais parmi les gens qui ont cherché. Vous avez été décidé dans les assemblées. Oui. Je vous dis ceci. Tous ces gens-là n'ont plus Dieu avec eux. Ce sont les prophètes de Baal. Là, vous confirmez. Je vous les confirme. Tous ces gens-là, à 99%. Tous ces gens que vous reconnaissez à Kinshasa, entre ici, tous ceux qu'on appelle les grands-là. Tous ces gens-là, ils ne sont pas avec Dieu. Pour reconnaître, pour retrouver le véritable Dieu, il faut aller... Numéro 817, 6ème mairie, avenue de la Révolution, numéro résidentiel. 6ème mairie résidentiel. Amen. C'est pour dire que, ma peuple de Dieu, ne vous inquiétez de rien. Dieu ouvre seulement une fenêtre. Et à travers ces micros, je souhaite de vous donner cette fenêtre-là. Il faut comprendre ceci. Ces gens-là, ce sont des prophètes de Baal. Et eux, ils viennent avant, ils précèdent. Vous comprenez, hein? Il précède et le peuple de Dieu. Il vient avec beaucoup de bruit. Ils font le tapage partout. Mais en vérité, ils ne sont pas avec le Père. Aussi, ils étaient avec le Père. Ils avaient déjà entendu la voix de Christ qui est là. Et moi, je vous révèle, je vous confirme. Emmanuel Doudi, c'est le véritable Christ incarné. C'est lui dont on attendait dans toute l'humanité. Et donc, fermez pour toutes vos églises là. Fermez, fermez. Venez se prosterner devant la seconde église, la seconde gloire qui est là au milieu de nous. Ce qui explique que le peuple de Dieu ont été torturés, traumatisés, violentés, et je dis tous les mots, d'autres ont été même violés,
ont été remis à... ce sont des choses terribles, mon frère Alain, qui énervent. Mais néanmoins, je ne peux pas perdre le temps pour ces bêtises, mais je montre au peuple de Dieu la solution qui est déjà là. Le peuple de Dieu, vous n'avez pas le droit de se décourager parce que la lumière est arrivée. Abandonnez tous ces assemblées-là. Toutes ces assemblées. Parce qu'il est écrit. Abandonnez. Quittez les milliers d'eux. Comment resterais-tu devant le pasteur qui lui prêche même l'homosexualité? Les soi-disant pasteurs qui prêchent eux-mêmes qui sont les puniques. Les pasteurs qui sont, qui les mamans donnent, ils vont aller prendre les fétiches gauche-droite. Non, ce sont les idiotes, ce sont les serviteurs de l'ennemi qui ne savent pas que l'accomplissement de ce que Kimbangu avait promis est déjà là. Un grand roi divin viendra. Il nous enseignera toutes les choses. Et donc, ne perdons pas le temps dans ces assemblées-là. Le peuple de Dieu doit savoir ceci. Là où l'homme se limite, c'est là où Dieu commence. Et Dieu a commencé avec Emmanuel Dot, son représentant valable, Dieu le Père, dirais-je, qui est sur l'avenir de la révolution numéro 817, limité 6e mairie résidentielle. C'est là où nous sommes connectés avec les nouveaux ciels. Je dis bien les nouveaux ciels. Même les messieurs qui parlaient de ciel, ils ne savaient même pas de quel ciel. Parce que l'ancien ciel est déjà passé. Il faut retrouver le nouveau ciel. Et le nouveau ciel est connecté par les grands rois divins. Le tabernacle qui est descendu du ciel, c'est Emmanuel Dot. Et donc, ne perdons pas le temps avec tous ces bandits-là. Ce sont des bandits. Le prophète Benjamin Kawanga, ça, je sais que vous ne mettez pas un peu d'eau dans votre vin, mais c'est pas un problème. Parce que chacun sa manière de communiquer. Tout à l'heure, je crois que vous venez de toucher un point, c'était juste un passage en clair, vite fait là. Vous avez, dernièrement, il y a eu un débat tout autour de ce qui se passe dans des églises. Il y a eu un enseignement qui, le pasteur Marcelo avait touché, qui a suscité des problèmes, des polémiques tout autour de la sodomie, la fellation et tout consort. Il y a eu certains serviteurs de Dieu qui ont dit « il a tout à fait raison ». Les autres ont dit « non, il n'a pas raison, tout ça d'ailleurs, la Bible n'est pas claire, c'est vrai, il a raison que la Bible n'est pas claire ». Et les autres disent, ont démontré même que la Bible était claire, déjà que la Bible interdit la sodomie. C'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas t'attarder là-dessus. Il ne pouvait même pas tu avoir débat. Votre réaction en écoutant ou en attendant tout ça? Écoutez, mes frères et sœurs, d'abord, Marcelo, je voudrais vous dire ceci. Ou bien les frères et sœurs qui écoutent Marcelo. Vous savez, il y a un problème chez nous, le peuple de Dieu. Les Français que nous parlons, étant une langue étrangère, on peut aussi l'apprendre bien, on peut aussi bien les parler. On peut aussi avoir la manière de bien la manier. Mais ce n'est pas ça qui compte. Mais ce qui compte, c'est le fond, la vérité. Parce que beaucoup sont emballés par les Français, hein? Les maquillages francophones là que les gens parlent. Quand on voit quelqu'un parler comme un blanc, ça veut dire comme on nous a dit là, les Mundele, on trouve que c'est tout. Marcelo n'a pas Dieu et ne connaît pas le véritable Dieu. Parce que, écoutez, la sodomie est interdite. C'est de l'abomination. Mais moi, je le comprends parce qu'on nous donne ce qu'on a. Marcelo n'a pas la vérité. Voilà pourquoi il ne peut donner que les mensonges. La sodomie est condamnable. Par la Bible et par la révélation. Rentrons dans la Genèse. Au commencement, Dieu a créé qui? Il a créé l'homme. Il a fait sortir de la corps de l'homme qui? La femme. La femme. Et après, qu'est-ce qu'il les a dit? Allez-y, multipliez-vous et remplissez la terre. Et c'est dans la sodomie. Il y a le remplissage de la terre? Non, non. Il n'y a pas de production dans ça. Mais il n'y a pas la production. Lorsqu'il n'y a pas le remplissage de la terre, il y a directement... C'est-à-dire, il y a déjà la contradiction entre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui est le mariage entre l'homme et une femme, c'est pour que le mariage entre l'homme et femme produise des filles. Et cet effet-là, parce que l'œuvre de Dieu, c'est la procréation qui a donné à l'homme la mission de procréer. Dieu ayant créé, il a donné la mission à l'homme de procréer. Et la formule pour se procréer, c'est avoir l'homme et une femme. Mais que lui dit la Bible n'est pas très refusable. Non, c'est parce que lui, il est dans ça. Ce sont les gens qui amènent les messages de l'ennemi et en maquillant des choses.
En vérité, c'est ça son origine. Parce qu'il est dans ça. Alors, c'est comme ça que je dis au peuple de Dieu, la sodomie est condamnable. Est condamnable. C'est parmi les choses extrêmement graves qui suscitent de tels gens, il faut fermer cette assemblée. Ce sont les gens qui trouvent les assemblées parce qu'on est encore dans les gouvernances, dans la gouvernance de désordre. Comme Kimbangu a dit, à ce temps-là, il y aura des désordres spirituels. Donc, c'est les gens qui ont dirigé dans les désordres spirituels. Et ces désordres spirituels ont permis à ceux qu'ils aient les assemblées et tout. Non. La sodomie fait partie des éléments qui ont fait à ce que Dieu puisse détruire Sodome et Gomorrhe. Mais évidemment, pourquoi Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe? C'est à cause de ça. Mais quand lui le dit aujourd'hui que non, oh non, Dieu, mais il contredit la Bible. Pourquoi l'on doit prêcher avec la Bible? Parce qu'il contredit les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible avaient détruit Sodome et Gomorrhe à cause de cet acte-là. Mais quand il dit non, la Bible n'est pas claire, non, c'est lui qui n'est pas clair. C'est pas la Bible qui n'est pas claire. Donc il doit abandonner l'assemblée. Marcelo, tu ne dois plus prêcher. Il faut que tu fermes ta boutique là. Et le peuple de Dieu doit quitter. C'est comme ça que je dis, il faut quitter les milliers de ces gens-là. Qui ferment aussi l'église. Oui, vous savez pourquoi? Quand je dis nous sommes sur les limités, 6e ligne résidentielle, avenue de la Révolution numéro 8 à DC. Tous les peuples de Dieu, c'est tous ceux qui sont à Kinshasa, ils savent déjà quand on parle de limité, on voit déjà. C'est le quartier des faux pasteurs. C'est dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous là dans l'air monolocutiste. Mais je vous dis, mes frères, c'est pas. Il y a une exception. L'exception est là, entrée sur 6e mai avec de la Révolution 817. Tu vas recevoir ta délivrance et ta bénédiction calmement. Mais que lorsque les gens acquisent quand même plusieurs serviteurs de Dieu qui ont les églises alimentées, est-ce qu'ils ont raison de dire qu'ils sont dans l'occultisme et tout ça? C'est vrai bien qu'il y a exception. Vous faites partie de l'exception, mais du moins quand même, vous partagez le même avis que eux? Oui, dans la règle, oui. Dans la règle, ils ont raison parce que les pasteurs qui sont alimentés d'une manière générale, dans la règle générale, ils sont tous dans la fausseté. Ils sont dans la fausseté, mais excepté, je dis bien excepté, c'est l'exception qui confirme la règle. Oh, Dieu le Père, le véritable, il est dans l'exception. C'est là où l'ose Dieu. Il est là. C'est comme ça, il est dit. Il ne fait jamais une chose sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire qu'il y a une exception du secret que je suis allé vous révéler. Que non, pas tout l'humilité. L'humilité, ce que vous voyez là, tout ce que vous appelez ensemble, vous avez raison. Mais quand vous y entrez sur 6e mairie, avenue de la Révolution, numéro 817, vous savez ce que Dieu est tellement formidable. Là où on a détruit son peuple, c'est là où il vient pour s'imposer. C'est comme ça que le Christ Emmanuel d'Odi a choisi d'être sur 6e mairie, avenue de la Révolution, numéro 817, résidentiel. C'est pour détruire, c'est pour faire quoi? Détruire le travail du mal que l'ennemi a assis s'il mettait, et ensuite, maintenant, de remonter le peuple de Dieu dans les biens. Et donc, d'une manière générale, tous ces pasteurs-là sont dans les fonds. Parce que, bon, mon frère Nala, si vous me permettez, je peux vous révéler d'autres choses, c'est terrible. Parce que là, je me vois, l'année passée, le Seigneur Emmanuel me dit, il dit dans sa prédication, il dit, bon, tous ces gens que vous voyez ici, ils vont en finir. Et d'ailleurs, je vais aller descendre dans ces églises-là. Je vais aller dans une église. C'est lui qui se trouve sur 6e et 8e mairie là. Moi, il va aller là-bas. Oh, il dit, je vais aller faire un travail là-bas. Écoutez ce que je viens. C'est une grande révélation que je vais vous révéler, que je n'ai jamais parlé à quelqu'un. Moi, parce que je suis son représentant tel que Kimbang m'avait donné la mission, je dis non. Je me suis déjà rendu dans cette église-là. Moi, je fais des tours dans toutes ces églises-là. Vous savez pour faire quoi? Même celui que vous venez de parler de Marcelo, il y a quelques 2-3 semaines, je suis passé par là. Vous n'avez pas peur? Non, vous allez espionner les autres. Mais non, je suis venu, je entre pour détruire les forces sataniques qui sont installées dans l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais ce moment-là, quand j'ai quitté Kisangani, après quelques jours, mon langue est mort. J'étais chez Mutombo. Quand le Christ avait dit ça, ça m'avait tiqué. Je suis allé voir son bureau, moi j'ai dit, mais Père, moi je suis ton fils, je suis déjà allé là-bas. Comment toi tu ne peux pas aller là-bas? S'il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait, donne-moi encore le pouvoir, je vais encore me rendre. Tu vois, un fils, hein, celui qui représente son père,
Et il pense que quand Emmanuel Dolly dit qu'il va se rendre là-bas, c'est lui-même Emmanuel Dolly qui va se partir là-bas. Mmh. Oh, c'est moi son représentant qui se rend là-bas, et il ne me connaisse pas. Oh, gloire au sort, Andiali. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le père me dit, oui, tu as raison. Reviens le 30, la nuit du 31, la nuit du 30, je vais te donner une mission, tu vas aller là-bas. Moi, je dis, mais au père, mais tu as beaucoup pardonné ces pasteurs. Hein? Ils ont fait beaucoup de bêtises pour ton peuple. Ils ont beaucoup fermé ton peuple. Mais dit, ok, ça va, reviens. Je rentre à la maison, la nuit, écoutez le peuple de Dieu. Il est venu me répondre. Je vis, je dormais dans un songe. Il est venu, Emmanuel, il m'a pris. Il m'a amené dans un endroit. Et dans cet endroit-là, j'ai trouvé tous les pasteurs, et même les pasteurs de Kisangani, sont enfermés avec les politiciens. Mmh. Et nous sommes en train, moi avec Emmanuel, lui devant moi derrière, et là-dedans, il a pris un serpent, il a tué un serpent, il a soulevé un serpent, nous sommes sortis avec le serpent. Il m'a dit, moi, alors, Benjamin, c'est fini. Et j'ai pris le serpent là, et je me suis réveillé. Et c'était la, c'est-à-dire la réponse à ma question. Donc je ne me suis plus rendu là-bas parce que tout est fini. C'est pour dire que c'était décembre, hein, l'année passée. Jusqu'au décembre le 31, tous vos aventures là, les pasteurs, si tout vous les limitez, arrêtez ça. J'ai entendu même ils ont fait les réunions là-bas sur 8e. Ils disent même que non, ils vont appeler Emmanuel de devenir entrer dans leur cabale, dans leur groupe, équipe de pasteurs. Je dis, mais est-ce que vous connaissez qui est Emmanuel Dodi? C'est lui dont vous vous attendiez, entre guillemets, mais vous ne le connaissez pas. Ça, c'est de foutaises. Écoutez, vos pasteurs là ont des blagues. Vous savez que l'apôtre Jean-Baptiste, hein, je disais, Jean-Baptiste avait aussi des disciples. Mais quand Jésus est venu, Jean-Baptiste a laissé ses disciples. Il est allé se prosterner en disant que voici l'agneau des dieux qui ôte les péchés de l'humanité. Mais vous là, même si vous avez vos endimis là, parce que Emmanuel Dodi est arrivé, il faut aller tous se prosterner devant lui en disant que voici le Christ incarné, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, celui qui est venu nous sauver, l'homme de 17, l'homme du grand salut, et non vous d'appeler les gens. Donc je voudrais vous dire que tous ces gens là, il les a laissés quelques années de grâce, mais cette année, c'est la fin de leur grâce. Ça veut dire la fin de la grâce des pasteurs va se terminer à partir de décembre cette année, et c'est fini. Merci beaucoup, je crois que nous on avance petit à petit vers la fin de notre entretien, mais du coup on va prendre le tout dernier point et le dernier point qui sera scindé en deux parties aussi. Alors la première partie, c'est connaître votre réaction par rapport au discours du chef de l'État. Je crois que c'était après la consultation, le chef de l'État qui a consulté plusieurs personnes. Et en fin de compte, le peuple attendait à ce que, qu'il puisse se rendre compte. Et tous, nous avons suivi les discours. Vous êtes prophète, en qualité de prophète. Comment avez-vous reçu ces messages? Mon frère Alain, évidemment, je suis parmi ou je suis peut-être les premiers à pouvoir révéler et démontrer le satanisme qui a eu lieu entre l'accord FCC Cash, à qui je disais tout le monde que cette alliance-là, c'était une alliance satanique. Je l'ai donné avec précision. Ésaïe 30, la parole m'a été donnée. Malheur aux enfants des rebelles qui font des alliances sans consulter Dieu. Donc l'alliance FCC Cash, c'est une alliance satanique, démoniaque, qui n'a pas consulté Dieu. Et donc, aujourd'hui, Fati voulant accepter que c'est une alliance satanique, voulant se délier avec cette alliance, ça pourrait être une bonne chose. Humainement parlant, on ne peut pas se conduire pour se dire que non, le prophète ne voulait pas de cette alliance. Maintenant, ça va se commencer à se diviser. Et je l'ai prophétisé que cette alliance doit mourir. Et j'ai maudit cette alliance. Alors, maintenant, la question, c'est de savoir comment faire. Parce qu'il y a trois plans au Congo. Il y a le plan de l'ennemi au Congo, le plan des diables et de Satan au Congo, qui est dirigé par Kabila le Pharaon. Maintenant, il y a le plan de l'homme.
il y a le plan de l'homme. Et enfin, il y a le plan de Dieu. Ces trois plans qui sont là, quel est le plan qui doit gagner? Le plan de Dieu, bien sûr. Le plan de Dieu, le Père. Mais le plan de Dieu, le Père, se trouve où? C'est auprès du prophète Benjamin Kawanga, l'incarnation de Simon Kimbangu, le représentant de Christ Emmanuel Doti. C'est là où vous trouverez le plan de Dieu. Maintenant, les d'autres des plans, je les maudis d'ailleurs. Mais vous n'êtes pas quand même le seul prophète, parce que je crois, tout autour du président de la République, il y a eu beaucoup de serviteurs de Dieu qui se sont présentés. Et vous ne les avez pas vus? Parce qu'apparemment, vous n'avez pas confiance à tous ces gens-là. Il y a Évangéliste Kabundu-Alessa qui était reçu par le président de la République. Il y a, je crois, tous les autres. Kabundu-Alessa n'est pas un serviteur de Dieu. Il est dans l'air fatalisme, l'air des histoires là de... Ce sont des petits riens là qui sont déjà finis. C'est fini, tous ces gens là, ce sont des bandes délimitées. Mais Denis était là. Ce n'est pas des prophètes, ce sont des prophètes de Baal. Tous ces gens qui sont là avec Félix, c'est comme les gens qui étaient avec Kabila. Comme je disais, mais j'avais dit l'autre fois quand j'avais contesté les soi-disant pasteurs ici, Mugalu, qui disait que Kabila c'est lui le quatrième. Maintenant, il a changé. Maintenant, le problème, c'est que vous dites que nous ne sommes pas les seuls, ou je ne suis pas les seuls. Moi, je vous dis, je suis les seuls qui portent les clés de ce pays, qui portent l'incarnation de Simon Kimbangu, qui connaît Christ là où il réside. Vous savez, vous pouvez être nombreux, hein, comme les apôtres, mais tous les apôtres n'ont pas été comme Pierre, parce que Pierre a reçu la révélation. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Père, pourquoi le Fils de Dieu vivant. Donc, moi, je suis celui qui connaît. Où réside Christ? Et pourquoi là où réside le plan de Dieu? Pas auprès du président de la République. Mais non, demandez une audience quand écoutez, même. Parce écoutez, que, écoutez. Si vous avez réellement besoin que le Congo puisse aller de l'avant, mais pourquoi est-ce que vous laissez ces gens-là aller auprès du président de la République? Vous pensez que tout ce que nous parlons, tous ces gens-là ne nous écoutent pas? Les Kitengeyes, ils savent qui est Benjamin Kawanga. Tous ces gens-là, ils savent. Fatih lui-même, il connaît qui est Benjamin Kawanga. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas un commandeur, je ne suis pas un fanatique. Je ne suis pas un coureur. S'ils avaient besoin de la vérité, véritablement, parce que ce qui se passe là-bas, quoi, leur plan humain, qui est mélangé aussi avec les semences occultes, c'est de faire l'accord, ce qu'on appelle là l'union sacrée. Et l'union sacrée qui avait déjà échoué, l'union sacrée sans la sacralité, sans Dieu le Père. Oh, Dieu est représenté par le Christ Emmanuel II. Son représentant, c'est Benjamin Kawang. Comment vous allez chercher Dieu sans voir celui qui est. Qui représente Dieu. L'union sacrée, on revient sur 1 plus 4 encore. La répartition du gâteau, le partage du gâteau, tout ça. Évidemment, c'est ce que je dis. Dans l'union sacrée, tous ces gens-là qui se tournent tout autour de l'union sacrée là. Il y a des gens qui ont été suivis aussi. Ils ont le même suivi. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes idiots utiles. Ils sont dans les Oukitis, les francs-maçons. Et donc, est-ce que c'est ça le plan de Dieu? Non, j'ai maudit les plans. Donc l'union sacrée n'est pas un plan de Dieu. Ce n'est pas un plan de Dieu. C'est le plan humain. Le plan de Dieu, nous en avons. Et nous avons dit et nous disons. Celle est la 4e République. Celle est le royaume divin que Kimbangu avait prophétisé le chiffre 4, qui est le salut de ce pays. Et qu'il le veuille ou pas, le plan de Dieu doit s'imposer. Et je proclame la mort de leur plan satanique et leur plan humain. Le plan, et je proclame la victoire de ce plan de Dieu qui est la 4e République. L'année qui va commencer. Après le 17, le 17 octobre, le 17 décembre au 17 janvier, vous allez voir le signe. Ça veut dire tous ils seront engloutis dans leur plan humain et aussi occultés. C'est comme ça que, quand vous regardez, le plan satanique se bat avec le plan humain qui se battent, qui s'entretient eux-mêmes. Et le boulevard pour le plan de Dieu doit s'accomplir. La 4e République, les 100 ans de Kimbangu qui va commencer et c'est l'accomplissement total. Sinon, nous allons laisser la Bible alors. Ou alors nous, ou alors eux. Comme vous avez dit, ils ont le pasteur, ils ont le prophète. Moi, je dis maintenant, moi, en tant que l'incarnation de Simon Kimbangu, le représentant de Christ Emmanuel Dot, si leur plan réussit, moi, je laisse la Bible. Oui, ça devient chaud. Rien ne réussira dans ce pays sans le plan de Dieu que nous avons, que nous détenons. Tu vois, un jour là, quand ils ont fait leur consultation, j'avais appelé un prophète, je peux le citer, le papa, le prophète Abraham. J'ai dit, bon, prophète Abraham, bon,
nous aussi, si on nous appelle, on peut aller dans les consultations. Il dit non. Il dit non. Avant de venir, il a prié. Il est venu me voir. Il dit ceci, j'ai aimé ce que le Seigneur a dit au prophète Abraham. Quand le prophète Abraham est venu me voir au bureau, il dit, prophète, regarde ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, il faut qu'il y ait une action Jésus-Christ. Hein? Jésus-Christ en action. Ah bon? J'ai compris le message. Il dit, bon, est-ce que ces gens-là accepteront la vérité pour qu'ils nous appellent, nous qui leur disons la vérité? Parce qu'ils pensent que tout ce que nous leur disons, nous sommes contrariés. Alors, et pourtant, nous ne sommes pas contrariés. C'est la vérité qui libère. Et ça s'est passé ainsi. On a appelé tout le monde, mais on n'a pas appelé le prophète Benjamin Kawang, on n'a pas appelé le prophète Abraham. Et on a laissé tous ces gens qui disent la vérité. Prophète. Nous leur disons ceci. Nous, on n'a pas de problème avec eux. Nous avons besoin qu'ils soient sauvés. Parce qu'il faut que tous ces gens-là soient sauvés. Ce qui se passe là-bas, c'est quoi? Les deux ans ici, c'est la transition. La transition est en train de finir. La fin de la transition au Congo. C'est la troisième république, la continuité de Kabila. Comme je l'ai dit, Kabila étant le troisième, Fati aussi est troisième. Et Kabila le père, Kabila le fils, et Fati, tous sont inclus dans les trois. Oh. La quatrième république est entrée avec les rois divins. Parce que le roi divin doit être derrière le grand roi divin, qui est le Christ Emmanuel II. Donc, c'est fini, l'ère plan humain. Les deux ans de l'ère transition est finie. Comment cela va-t-il se passer? Parce que en fait, là, il y a maintenant une confusion. Parce que comment cela va-t-il arriver? Nous savons tout simplement dans notre pays, le pouvoir, on obtient le pouvoir que par la voie des urnes, par les élections. Mais alors déjà, s'il faut annoncer le quatrième pouvoir ou le quatrième président de la République, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, il faudrait qu'il y ait des élections. Pas question des élections. Les élections, c'est l'œuvre de la sorcellerie, de l'occultisme et de la démocratie. Dirigé par le Léviathan qui est déjà tué. C'est un esprit. Je l'ai dit, l'origine, la démocratie a commencé à l'Occident, particulièrement aujourd'hui avec les États-Unis. Je l'ai prophétisé que l'Amérique est déjà détruite. L'Amérique est détruite, l'Occident est détruit. Aujourd'hui, tous nos frères et sœurs qui sont à l'Occident, ils attendent de rentrer dans la terre promise. Mais ils vont rentrer dans la terre promise comment? Sans qu'il n'y a pas la Nouvelle Jérusalem qui est la 4ème République, non. Maintenant, leur plan là, des soi-disant maquillages de l'union sacrée, c'est pour maquiller sa vie, c'est pour étouffer ce plan de Dieu-là. Et vous pensez que Dieu va échouer à cause de tous ces millions de chrétiens qui vivent partout à l'humanité, doivent venir ici. Ils doivent fuir de là-bas les pistes qui vont se faire partout. La terre promise est ici. Maintenant, finit leur transition. Je maudis leur plan. Ce qui va se passer, c'est extrêmement au-delà des hommes. Je l'ai eu à proclamer que l'ouragan est en cours. Et tout ce que vous voyez, ce n'est que le début. Ce n'est que le début des événements. Ceux qui pensaient que le prophète Benjamin Kawanga blaguait, et ils se moquent de eux-mêmes. Préparez-vous et vous devez entrer dans le plan de Dieu. En dehors du plan de Dieu, tout ce qui se fait sont des foutaises. C'est par une force main divine. J'ai prophétisé depuis 2019, c'était le 14 juin, que Tom va partir, c'est un président de transition. Ça y est, je vous dis tout. Que l'Amérique est déjà détruite. L'Occident est déjà détruit. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire là, les gens de l'Union sacrée là, ce sont les serviteurs de l'Occident. Mais si, quelque part, il y a certains qui ont dit que le président de la République est chrétien, c'est quelqu'un qui craint Dieu. D'ailleurs, il a recommandé la RDC dédiée en fait, entre les mains de Dieu. Mais bizarrement, qui accepte de travailler ou de faire le partage du gâteau, bien sûr, avec ceux-là qui ont les mains souillées, ceux-là qui ne font pas partie de la volonté de Dieu. Alors, comment expliquez-vous cela? Il est dans le choix de Dieu ou il n'est pas là? Il n'est pas le choix de Dieu. Il n'est pas et il ne sera jamais. Sauf qu'il dise la vérité et qu'il se repentisse. Ce qui n'est pas facile pour lui, il n'est pas dans les choix de Dieu. Le choix de Dieu est là. Kimbangu a dit, c'est dans la 4ème République. Notre nouvelle Jérusalem, la 4ème République, le 4ème président. Et il viendra, il sera un serviteur de Dieu. C'est un mystère. Et les représentants des grands rois divins. Nous sommes là, le véritable. Mais les gens négligés par l'ignorance.
Le grand problème, c'est que la classe politique est tout entière, 99% est déjà échouée. Parce que c'est une classe politique colonisée, qui dirige par la procuration. Étant là, le système doit être détruit par eux-mêmes aussi. Dieu, le Père, le Christ, le chef des esprits, ils utilisent eux-mêmes aussi pour détruire le système. La démocratie ne peut jamais développer le Congo. Le Congo, c'est un royaume de Dieu. Et qui ne peut être que développé par le plan de Dieu. Et cela dans les quatrièmes royaume ou la quatrième république que nous portons. Et nous en avons ce pouvoir et ces moyens que le Christ et Emmanuel nous a donné. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mesdames et messieurs, nous touchons pratiquement à la fin de notre entretien. Ça, ce n'est que la première partie. Je crois que nous avons traversé un très bon moment, bien sûr, avec l'homme de Dieu, le prophète Benjamin Kawanga, déjà, qui est notre invité. On va le recevoir très, très prochainement. Homme de Dieu, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Vous allez regarder notre caméra et vous adresser plus particulièrement à toutes ces personnes qui ont perdu la foi, toutes ces personnes qui se sont dit, nous sommes perdus, on ne sait plus où aller. Mes frères et sœurs, vous qui êtes aujourd'hui comme ce que moi j'étais hier. Hier j'avais perdu la foi comme vous. Oh, par sa grâce, sa miséricorde, il m'a fait connaître où est-ce qu'il réside. Comme il avait dit dans Ésaïe 18, verset 7, le nom de l'Éternel résidera. Et j'ai retrouvé là où réside le nom de l'Éternel, qui s'appelle Emmanuel Doud, l'homme du 17 décembre. Et donc, une seule adresse a venu de la révolution numéro 817, 6e mairie limitée résidentielle. Venez retrouver ce que moi j'avais retrouvé, ce que moi j'avais perdu. Votre espoir va naître. Votre maladie doit avoir la guérison. Tout ce que vous avez perdu, vous serez délivré comme moi. Et donc, ne perdez pas l'espoir parce que lui-même, il est descendu à sa gloire et il est venu nous restaurer. Il est venu nous sauver. Il vous a permis de m'écouter. C'est pour que vous arriviez là où moi, je lui ai raconté et vous aussi, vous allez raconter. Et donc, soyez bénis. Je peux vous les donner. Mes coordonnées, comme ça, ça vous permettra. Si vous en avez des doutes, je vais vous l'indiquer. Et moi aussi, vous aider à vous amener dans cette foi-là. Une véritable foi, la belle confession de foi qui nous a été donnée par le Christ Emmanuel Doud. Vous pouvez nous appeler pour ceux qui sont à l'étranger. Vous mettez les codes, plus 243 85 67 034 56. 85 67 034 56. Ne perdez pas l'espoir. Oui, vous l'avez déjà perdu, mais le Christ est venu. Il est là pour nous. Il est venu pour nous sauver. Contactez-nous ou allez tout droit. Et surtout le 17 décembre, soyez là. Tu vas vivre ce que tu n'as jamais vécu. Parce qu'il est venu dans sa grande gloire, sa seconde gloire pour nous sauver. Les Congos, vous qui tous êtes à l'étranger, préparez-vous parce que le retour est imminent. Dans la terre promise, la nouvelle Jérusalem. Et les événements vont accompagner ces paroles que nous avons prophétisées dans vos micros. Et vous allez voir la main puissante de Dieu, sa gloire qui est en train de se manifester au Congo. Que rien ne vous trompe. Tout ce qui bouge gauche, droite, rien n'ira à la contre du plan de Dieu. Tous vont s'écraser. Mais le plan de Dieu, le Christ qui nous a restauré, tout ce que nous avons dit dans vos micros doit s'accomplir de manière totale et parfaite. Soyez bénis. Par son nom de Christ Emmanuel Doud. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien, bien sûr, avec l'homme de Dieu, comme je venais de vous dire tout à l'heure. Donc, on rappelle, nous avons reçu pour vous le serviteur de Dieu, prophète Benjamin Kawanga. Et je crois qu'on a passé un très bon moment. Quelqu'un vraiment qui n'a pas froid aux yeux. Quelqu'un qui communique à sa manière et surtout sans crainte. Nous devons avoir des gens comme ça, déterminés, afin d'apporter la lumière, parce que c'est maintenant ou jamais. J'ai toujours dit, pour le Congo, c'est maintenant ou jamais. Merci beaucoup. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Si gestion remarque, le numéro est affiché au bas de vos petits écrans, afin d'être en contact avec nous. Également, vous voulez contacter l'homme de Dieu, son numéro est là, est affiché au bas de vos petits écrans. Vous pouvez le contacter, il le reçoit seul son téléphone et il est très disponible
et pour vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu, d'avoir répondu à notre invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie et je remercie tous qui nous suivent et qui soient bénis aussi dans cet échange fructueux. Je vous remercie vraiment avec vos questions. Je suis là. Okay. S'il faut venir, je reviendrai pour répondre à différentes questions qui nous seront. Surtout, il y a un débat que nous allons préparer. Je suis là pour tous les débats. Okay. Pour les débats et tout scientifique et spirituel et politique. Kimbangu nous a laissé ces trois pouvoirs que nous portons. Merci beaucoup. Alors, portez-vous bien. Merci à Gédéon. Merci à Jordan Panzou, Couleur Bassé également. Alors, on se retrouve très, très prochainement. Merci beaucoup. Baba, à la prochaine. Au revoir. Du moment mondain.
avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h, billetterie au point de vente habituel. Chers frères et sœurs, restez chez soi autant possible. Se laver les mains fréquemment et correctement avec du gel hydroalcoolique. Papa, maman, bandeko, coronavirus, eza eloko oyo, eza koboma, eza bajete. Oui, chers collègues, chers compatriotes de la République démocratique du Congo, je tiens à lancer ce message vis-à-vis de pandémie anti-coronavirus. Maintenir une distance sociale d'un mètre au moins. Et c'est qu'il y a des gens qui ont des fois dans la journée. Sokola dans le temps, sokola pe na pokwa mai ya moto s'il vous plaît. Et peki sami na mutu nyoso na kosimba misu na yo pe zolo na yo pe munoko. Utilisez le mouchoir à usage unique. Et c'est qu'il y a des gens qui souhaitent que la tabagam. Ce que moni ba septembre oyo bazali ko lola ezali na nzoto na yo kima bombango pene pene na hôpital pour ezali pembeni na bino. Pour éviter ma communion, Sowana, Salela. Tomi Batela, coronavirus, Ezako Boma. J'accepte ces mesures. J'accepte. Nandimi ko Salela Mibeko. Nandimi ko Tosa Mibeko.